Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer la série pour les débutants. Je vais créer donc plusieurs modèles qui sont entièrement pour les débutants. Les modèles seront réalisables tout de suite après avoir acheté le kit de démarrage qui se trouve sur mon site ladentelledelila.wifeo.com. Vous n'aurez même pas besoin de faire les 4 premiers exercices, vous pourriez directement passer à cela si vous avez envie. Voilà, donc je vais essayer de tous les répertorier dans une playlist que j'appellerai Béaba de dentelle. Je ferai des vidéos, je vais essayer de les faire quotidiennes, mais je vous le promets pas, je les publierai le soir. En fait, vous avez peut-être remarqué que le matin, je publie quotidiennement des vidéos sur des modèles de Michel Jourde, mais c'est pour des dentelières qui sont déjà expérimentées. Donc, je publierai ces vidéos pour les débutants le soir, j'essaierai de les publier régulièrement. Les modèles, ce sont donc des modèles que j'ai fait moi-même. Voilà, et vous les retrouvez donc sur le site internet ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique carton. Ensuite, je vais vous parler du club sur Facebook. Donc j'ai créé un club qui s'appelle La Dentelle Plus Loin de Lila. Vous pouvez vous inscrire, aimer la page, c'est totalement gratuit. Ça permet d'échanger avec d'autres dentelières vos modèles, vos petites techniques, vos photos aussi. Voilà, je demande souvent après avoir créé un modèle de m'envoyer une photo que je publie ensuite sur le club Facebook. Donc vous pouvez me contacter sur ladentelledelila@gmail.com. Si par la suite, après avoir fait toute cette série pour les débutants, vous souhaitez vous perfectionner, j'ai créé des cours en ligne par étapes sur DVD qui sont disponibles toujours sur le même site. Voilà, sinon bon bah les vidéos que je vais publier ce sont des vidéos qui seront courtes, je vais essayer de les publier donc le soir comme je vous ai dit, et elles suivront une suite logique, c'est-à-dire que là je vais vous présenter ce modèle qui est en rapport avec Noël. Il va y en avoir plusieurs en fait, jusqu'à Noël, je vais essayer de vous présenter des modèles concernant Noël. Donc elles suivront une suite logique, c'est-à-dire aujourd'hui je vais vous montrer comment on commence avec le carton, comment de l'impression jusqu'à le retrouver ici sur le carreau, et je vais vous montrer également comment on fait les fuseaux. Alors pour commencer, ce modèle, donc comme je vous ai dit, vous le retrouvez dans la rubrique carton de mon site internet ladentelledelila.wifeo.com. Vous pouvez retrouver tout ça en dessous de la vidéo. Ensuite, donc vous l'imprimez, là je l'ai mis sur une feuille A4. Après vous pouvez l'imprimer de la taille que vous voulez. Il y a juste le nombre de fuseaux qui pourra changer. Si vous faites un grand modèle, par exemple en format A3, vous aurez besoin de plus de fuseaux. Je vous conseille pour la première fois, si vous débutez juste sur ce modèle, de faire la même chose que moi, donc vous le sortez en format A4. Ensuite, une fois imprimé, vous allez mettre sur un carton qui est un peu plus épais. Donc, moi je dis souvent une boîte de céréales, c'est très bien, ça fait le carton. On a tous des boîtes de céréales chez soi, donc vous le mettez dessus, vous le collez, et ensuite, vous prenez des bandes de scotch que vous allez mettre par-dessus le modèle. Vous faites attention de ne pas les superposer, mais qu'elles soient bien alignées. Ça permet de préserver un peu le modèle. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez donc votre kit, le carreau qu'il y a dans le kit, et vous allez attacher. Donc là, ce modèle, je vais le mettre tout à gauche, ici. Donc là, moi, je vais attacher aux quatre coins le modèle. Ensuite, il va falloir donc faire les fuseaux. Pour ce modèle, on va commencer déjà par faire le contour de l'étoile. Donc vous voyez qu'il y a le petit A et le sens. Ensuite, ce symbole qui est ici, ça représente le point fermé. Donc, ce que je vous conseille, on me demande souvent pour les fils. Je n'ai pas de fil à vous conseiller réellement. Moi, j'utilise ce genre de bobine. Mes parents avaient un atelier de confection et quand ils ont arrêté, maintenant ils sont âgés, quand ils ont arrêté, j'ai récupéré en fait toutes les bobines de fil. Donc là, c'est une couleur melon. Elle s'appelle... Sargal. Voilà, il n'y a rien de spécial de marqué à part qu'elle est fabriquée en France. En général, c'est du coton, elles sont des fois 70% polyester, 30% coton. Mais en fait, ce qui est important dans un fil, vous pouvez presque travailler avec n'importe quoi. Ce qui est important dans un fil, c'est quand vous tirez dessus, et ben qu'il ne se casse pas à tout bout de champ. Parce que quand vous allez travailler, si votre fil se casse, ça va être la vraie galère à chaque fois de refaire des fuseaux et de rajouter des paires, et ce ne sera pas joli au résultat final. Donc prenez un fil qui soit quand même résistant.
Là, je peux tirer dessus, il ne se casse pas. Ensuite, vous prenez donc des petites bobines comme ça. Vous pouvez prendre genre, je ne sais jamais si on dit échevette ou écheveaux. Je pense qu'on dit des écheveaux. Comment on appelle ça? Les DMC à broder, le numéro 25. Vous pouvez prendre ces écheveaux parce que les couleurs sont vraiment très très belles. Et vous prenez seulement un seul brin. Je crois qu'il y a 5 ou 6 brins, vous prenez seulement un seul brin. Ça peut faire des couleurs qui sont sympas aussi. Vous pouvez travailler avec des fils métalliques. Ça se fait bien, par contre je vous invite quand même à mettre une paire de fils métalliques mais pas plus dans un travail parce que le fil est un petit peu plus compliqué à travailler mais il est faisable quand même. Donc pour débuter, on va faire comme je vous ai dit le contour de l'étoile ici. Donc on va prendre un peu de fil. Il n'y a pas vraiment de technique pour apprendre le fil, la longueur du fil à mettre. En fait, au fur et à mesure que vous allez faire de la dentelle, vous allez vous rendre compte la longueur qu'il va vous falloir. Donc au début, vous allez en mettre toujours un peu plus. Alors, pour prendre la longueur de fil ici, vous prenez, j'ai pris 11 fois la taille de mon carreau. Donc dans la largeur, je l'ai pris 11 fois. Ça vous donne juste une idée. Mais là, il va y en avoir beaucoup. C'est juste pour vous montrer qu'il faut en mettre vraiment beaucoup. Donc, pour commencer à faire un fuseau, vous prenez votre fuseau comme ça. Donc, ceux que vous avez dans le kit de démarrage sont plus fins. Ça, c'est des fuseaux anciens et j'en ai aussi en vente. Après, ça n'a pas d'importance. Vous mettez votre fil dessous et vous tenez avec votre doigt. Et ensuite, avec votre main droite, de droite, vous allez passer à gauche en passant par-dessus le fuseau. Ça va vous donner, en fait, le sens dans lequel enrouler. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de prendre votre fil et le séparer en deux. Alors, je parle de séparation, non pas de le couper, mais ce qui est important, voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de fil. Alors, ce qui est important, c'est, en fait, vous voyez là, j'ai deux fils, un là et un là. Ce fil-là sera dans le deuxième fuseau et ce fil-là sera dans le premier. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est que vous arriviez à trouver le milieu et ensuite vous enroulez jusqu'au milieu en fait, jusqu'à la marque du milieu que vous avez fait, de façon à ce qu'il y ait autant de fils sur le fuseau que nous sommes en train de faire et sur le fuseau que nous ferons après. Voilà, donc ça c'est mon milieu. Une fois que vous en êtes ici, que vous êtes arrivé au milieu, il va falloir faire un nœud. Vous voyez ici, il y a une gorge. Donc les fuseaux ne sont pas tous équipés de gorges, ça dépend les régions. Chaque région a un peu sa façon de faire les fuseaux. Moi j'aime bien quand il y a une gorge parce que ça délimite vraiment le nœud. On va faire le nœud donc dans cette gorge. Donc vous prenez le nœud coulissant qu'on va faire, c'est pas le plus simple. Si vous n'y arrivez pas dès la première fois, pas de panique, vous regardez la vidéo, vous vous entraînez à le faire, mais c'est tout à fait normal, hein. Alors, vous mettez votre fil comme ça. Alors moi, je suis droitière, donc je vais vous le montrer de la main droite. Vous faites un quart de tour et avec ce que vous avez ici, vous le passez là, sur la gorge. Avec un tour, deux tours, trois tours. Vous tenez ici avec votre doigt le nœud. Là, ça laisse une boucle et ensuite, vous allez tirer votre fil pour qu'il n'y ait plus cette boucle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez l'autre extrémité du fil, là, et vous allez reprendre un fuseau et refaire la même chose. Donc vous prenez votre fuseau de la main gauche et vous prenez le sens, donc la main droite passe par-dessus le fuseau et va à gauche. Vous avez le sens. Ensuite, vous embobinez donc jusqu'à la fin. Je vous le rappelle, il doit y avoir la même longueur de fil sur les deux fuseaux. Et on travaille toujours par paire, donc c'est pour ça que dès le départ on fait les fuseaux par paire. Donc j'arrive à peu près au bout, donc vous aurez à peu près la même longueur de fil sur chaque fuseau et là vous allez pouvoir refaire le nœud coulissant. Donc vous faites un quart de tour et avec ce que vous avez ici, passez une fois, deux fois, trois fois. Vous tenez avec votre doigt et vous allez tirer sur l'autre. Donc voilà, là vous avez fait une paire. Il va falloir de la même façon et avec la même longueur de fil en faire deux autres. Vous aurez trois paires. Mais
Il va falloir prévoir une paire. Moi, ce sera celle-ci. Ce sera la paire de meneurs. Cette paire de meneurs, elle va faire les va-et-vient, tous les zigzags que vous voyez sur le dessin. Donc cette paire, en fait, il va falloir mettre le double de fil. Donc à la base, quand vous coupez votre fil sur votre pelote de... sur votre cône de fil, quand vous le coupez, vous allez déjà prendre le double en longueur. Et ensuite, bah, quand vous allez mettre sur le fil, si vous prenez, sur le fuseau, si vous prenez bien le milieu, vous aurez autant de fil à gauche que à droite. Voilà, et cela, alors je vous invite quand même à faire une petite marque dessus, comme ça, ça évite de les perdre, parce que vous allez devoir toujours travailler avec. Si à un moment donné vous les perdez, c'est que vous vous êtes trompé dans le travail, donc des fois vous pouvez mettre un petit élastique ou vous mettez tout simplement un fil dessus sur les deux, de façon à ne pas les perdre, vous allez toujours travailler avec. Voilà, donc là aujourd'hui nous avons vu comment faire les fuseaux, nous avons vu comment préparer le modèle. Demain je vous montrerai comment on va démarrer l'étoile qu'il y a ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi vos commentaires et je vous dis à demain.